Allez. Et c'est parti. Boum, c'est parti. Et allez, c'est, Romain, c'est Romain qui va vite. Non. Non, c'est Vivien. Eh si, Joanne Nigon, allez, Joanne. Non, trop large. C'est Vivien Collet qui s'échappe, loin. Romain Gioff qui va être 3. Allez, et deux Joanne Nigon. On a Grégoire Martinez qui est juste derrière. Ouais. Envoyez les plots hein, pour écarter les pilotes. Ouais. Alors vous l'avez vu, quant à moi en voiture, pas de drapeau jaune. C'est parti, mon kiki. Allez. Et puis, une nouveauté, José, que 6 tours. Oui. Ouais, ça là, fait des petites finales, c'est top. Ouais. À bloc, là, il ne faut pas te poser cette question. Et puis on voit Arthur avec sa 125 qui tourne à l'heure. Bon, bien sûr, il est loin, mais il a pas de chaud. Ah bah oui, non, mais c'est bien. Ah non, il roule super bien, Arthur. Allez, Vivien Gonnet. Ouais, ça, c'est Max, c'est Romain Gioff. Romain qui après, a repassé on a deux. Martinez, non Nigon. Ah non, c'est Nigon d'abord. On a Martinez qui arrive un petit peu plus loin, me semble-t-il. J'ai vu aussi... Noël Duvert. Noël Duvert qui est 5, voilà. Ouais. Et après, qui est 4? Peut-être Ortega. C'est Martinez, c'est bien ça. Martinez, ouais, Duvert. J'avais bien vu. Ouais. Donc Bonnet en tête, Gioffre 2, Nigon 3, Martinez 4, Véronèse. Duvert 5, Véronèse 6, Renault, ensuite on a Brancy, Vincenot. Oula, Vincenot qui est parti en première ligne. Ah oui, il est mal parti. Aïe. Ouais. John Mongarnidis, Johan Van Schank 11, Ortega 12, Roche 13, Cavalieri 14, Valla 15 et le petit Mongarnidis, le tout jeune, le Benjamin, 14 ans, je vous le rappelle, avec sa 125. L'objectif de lui, c'est de ne pas prendre un tour. Tout à l'heure, il a parfaitement réussi. Exactement. Et il n'y a pas de raison que ça continue pas, il y a droit. Il se fait plaisir et qu'il se fasse pas mal. Non, c'est tout ce qu'on demande. Alors, par contre, on s'en doutait un peu cette année que Vivien Gonnet allait être souvent et faire souvent cavalier seul. Oui, c'est un peu le problème, mais bon. Ah, écoute, on verra sur Romain Gioff, sur certaines épreuves, Isola, un petit peu fin en réglage et en trajectoire, il avait gagné, hein, Romain Gioff. Exactement. Et là, on voit une belle bagarre. Duvert-Nigon, c'est chaud. Duvert-Nigon, là. Ouais. Là, c'est une belle bagarre entre les deux pilotes. Ils sont au coude à coude dans ces finales qui ont, on vous l'a dit, 6 tours, donc il faut se battre. Et par contre, c'est vrai que ceux qui partent en poumon, Gonnet, il est parti en tête, il est toujours en tête. Ouais. Gioff, il est toujours 2. Vincenot, par contre, qui partait 3, il se retrouve 9e. Donc ça, c'est pas un bon plan. Ça et quant à Joanne Nigon, il est 3e, donc il gagne une place. Et Romain, il est pas loin de Vivien. Non, il est pas loin du tout. Il est pas loin. Il y a une seconde et demie. Le freinage de Duvert en bas de la descente. Alors moi, je fais ça, tu me retrouves au Ménuire. Hein. Ouais, mais c'est pas loin les Ménuires. C'est bon, ouais, on te récupérera quand même. En morceaux, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, Vivien Gonnet, l'homme de Briançon. Gioffre, Nigon, Duvert. Après, je crois que c'est Anthony Véronèse. C'est Anthony Véronèse, ouais, il est 5e, Anthony. Cinquième. Très bien pour Anthony Véronèse. C'est un nouveau. Oh là là, comme ça bouge là. Martinez, 6, bien aussi. Ah, je suis content pour Grégoire. Vincenot, Renault. C'est des vieux noms, c'est Grégoire Martinez, Noël Dubert. C'est les premiers, c'est les durs. Ah, ils y sont depuis un moment, ceux-là. C'est sûr. Alors pour l'instant, Gonnet, tranquille. Par contre, tu parlais de Noël Dubert, record du tour, 46-2. Il n'y a pas de points supplémentaires. Il est vite. Non, pas comme en Formule 1. Voilà, mais. Noël Duvert pour l'instant 46-2, c'est le plus rapide dans cette finale numéro 2. Magnifique, il roule. Allez, on va suivre. Là, on suit Noël Duvert. Et bon, le problème, c'est qu'il a une 300 de temps. Et effectivement, tu vois, regarde dans la ligne droite ce qu'il prend. Il revient énormément au freinage. Forcément, elle est plus légère. Et si Stéphane Houben va nous regarder, ça va lui faire drôle de voir les PM encore. Ouais, tu m'étonnes. Mais grave. On lui fait la belle machine. C'était des très belles machines qui brillaient beaucoup en enduro. Et justement, avec Stéphane Houben. Allez. Romain, il est pas loin, mais bon. Ah, il est pas loin, mais il a perdu 4 dixièmes. Il a perdu 4 dixièmes, par contre, derrière. Entre C'est chaud, Nigon et Duvert, les enfants, ça s'explique à coup de dixième. Et là, du coup, c'est la troisième place en général qui joue, là, parce que Vincenot est très loin. Alors, on aura déplacé un petit peu l'ornière aussi, on l'aura mis au milieu de la piste, au lieu de la mettre à la corde. Allez, Nigon qui a repris un peu d'air. Et on va attaquer le dernier tour. Déjà ? Eh oui, c'est rapide. Ah mais si, t'as raison, on fait signe au dernier tour. Allez, 6, dernier tour. Vous pouvez pas, monsieur Cadbury, vous pouvez pas aller faire un peu plus longue le final, s'il vous plaît ? Vous pouvez pas nous la doubler, la dernière, s'il vous plaît, monsieur ? Allez, regardez-le, l'homme de Briançon. Terrible. Oh, la moto, c'est... Vivien Gonnet, largement en tête, avec 2,5 secondes, presque même 2,8 secondes d'avance sur Romain Gioffre. Et là, ça va être chaud entre Véronèse et Vincenot. Il y a à peine une seconde. Alors, ils sont là-bas en bas. Ouais, mais Vincenot, je dirais quand même que Vincenot a un petit avantage. Il est passé Véronèse. Véronèse est 10, 5 et Vincenot est 6. Allez.
Alors pour l'instant, allez, Vivien, tranquille, voilà. La balade. Dernier virage, on assure le coup pour ne pas se mettre une boîte. Et exactement, on va passer la ligne d'arrivée dans quelques instants. On va économiser peut-être un peu le pneu avant. Non, il n'a pas le temps. Non. Alors, Vivien Gonnet qui s'impose, Romain Gioff, comme ouais, tout à l'heure. Super, Joan Nigon. Ouais, génial. Ouais, super. Noël, super. Ouais. Et derrière, les deux, c'est la bagarre. Hein. Et qui est-ce qui est passé? Ah oui, il est passé, Vincenot. Ouais. Dommage. Ouais, et Brancy, 5e. Ouais, Brancy 7. 6, Brancy 7. Bon, derrière, là, ça arrive en meute, là. Ouais. Fred Reynaud, Mongarni, Jonathan, c'est bien, 9. Oh, ouais, super, Jonathan Mongarni. Et les anciens, là, Mongarni. Ouais. Hein. Hugo Roche, Wang Chang, Martinez, Cavalieri, voilà. Et regarde, à 125 d'Arthur. Eh oui, il a toujours arrivé. Pas pris un tour. Exactement.